Je te suis. Je vous retrouve devant l'accès mystique, mes amis. Permettez que je jette un rapide coup d'œil, je vous promets d'être bref. Bonté divine, en voilà une sacrée musculature, capable de toute une variété d'actes de violence, je présume. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est sûrement l'écureuil qui prend soin de l'arbre-monde. Cet appétissant arôme serait-ce... Pardonnez l'intrusion. Ah oui! De la résine d'ambre, petit goût de noisette et notes d'encre de sèche. Non. Monsieur n'aime pas les expériences gastronomiques? Attends, si tu es Ratatosque, pourquoi tu es si différent quand on t'appelle à l'aide? C'est une longue histoire. Mais tu as raison, je suis bien Ratatosque. Le Ratatosque que tu connais n'est rien qu'une de mes projections spectrales, et pas la plus amicale, malheureusement. Je la trouve si éloignée de moi que je la considère presque comme quelqu'un d'autre. Et, à ce propos... Amer, veux-tu bien te montrer et saluer nos amis? Lâche-moi, j'ai affaire! Je suppose qu'il fallait s'y attendre. Mais, passons! Maintenant que j'ai lustré toute cette jolie résine, veux-tu reprendre la graine? C'est donc une graine. En effet. Et une graine d'Yggdrasil, plus précisément. Mes pensionnaires nains ayant procédé à quelques menus réaménagements, vous aurez besoin de ces graines pour ouvrir de nouvelles destinations dans mon arbre. Ton arbre, hein? Oui, mon arbre. Tiens, je vais te montrer. Je comprends mieux pourquoi Maître Brock avait besoin d'une graine d'Alfheim. Vous devez avoir des affaires importantes à régler. Cette graine que tu as trouvée ouvre le royaume de Niflheim, un lieu aussi ancien que vaguement poisseux. Si vous avez besoin de retourner voir les nains, Svartalfheim reste à votre disposition. En chemin. Peut-être pourras-tu me parler de votre dernier voyage dans le royaume des elfes. Bien sûr. Alfheim est le premier royaume où on s'est rendu en utilisant ton temple. Freya a essayé de nous accompagner, mais... Odin lui a jeté un sort. Elle peut pas quitter Midgard. Quelle horreur. Puis on a dû combattre toute une armée d'elfes noirs pour atteindre la lumière. Vous vous êtes mêlés de la guerre des elfes? Pas par choix. Nous devions remplir notre Bifrost et ils nous ont attaqués. Les elfes noirs la couvraient avec leur substance gluante de ruche. Quand on l'a libérée, les elfes blancs sont revenus. Tout semblait aller mieux à Alfheim. Vraiment. Alfheim. Cela fait si longtemps. Je ne sais pas vraiment où se trouve le temple. Mais on y trouvera la fresque de Groa. Je vois que les elfes sont toujours en guerre. Ouais. Les choses vont mieux à Alfheim, tu parles. Oh. Fimbulwetter n'épargne pas Alfheim. Non. Les tempêtes couraient les déserts d'Alfheim bien avant Fimbulwetter. Le désert vivant. Il était autrefois plein de vie, tu sais. Et de musique. Le chant des sables. Il ne résonne plus aujourd'hui. Yeah.
Attendez. J'entends quelque chose. Une chose énorme. Et qui souffre. Notre objectif est dans le temple, pas dans le désert. Là, le temple de la lumière. La fresque de Groa est en haut. Freyr n'est jamais revenu à Alfheim, n'est-ce pas, Mimir ? Non, tu as raison. Le sort de son propre royaume devait passer avant tout le reste. Pardon, le frère de Freya ? Oui. Mais fait d'une toute autre étoffe. Il y a une barricade plus loin. C'est quoi ces pierres brillantes ? De la pierre de nuit. Un matériau rare dont la formation peut prendre un millénaire. Somptueux, n'est-ce pas ? De temps en temps, la lumière d'Alfheim se lie à une roche et cristallise, poussant comme de la mousse sur un lit. Une merveille des neuf. Oh ! J'ignorais qu'elle pouvait faire ça. Là, il y a un trou dans l'enceinte. 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 Oh, très malin. Le frère de Freya. Quelle est son histoire ? Il y a longtemps, Freyr des Vannes se rendit à Alfheim, où il découvrit une terre autrefois splendide, dévastée par la guerre. Usant de ses pouvoirs divins, il entreprit d'instaurer une paix fragile entre les elfes.
As-tu mentionné que cette paix fut rompue dès qu'il fut parti ? J'allais y arriver. Vous entendez ? Oh non. Arrêtez ! De grâce ! Vous n'avez pas à faire ça ! On ne vous veut aucun mal ! Nous n'avons pas le choix. Attention à droite ! Nous avons libéré la lumière ! C'est une bombe ? Pourquoi nous attaquez-vous ? Nous vous avons aidés ! Atreus, concentre-toi ! Je hais Alfheim ! Derrière toi ! D'autres suivront à l'intérieur. N'y a-t-il pas d'autre moyen ? Ce n'est pas comme s'ils nous laissaient le choix. C'est ce qu'a dit ton père. Vous devez me trouver bien naïf. Non, seulement optimiste, mon vieil ami. Il est si grand. On était arrivé d'en haut l'autre fois. J'ignorais qu'il y avait tout ça en bas. C'est une ancienne porte, construite pour soutenir l'entente entre les elfes. Mais elle semble close depuis un moment. Je commence. Atreus, dis-moi quand je suis à la moitié. Donc, que se passe-t-il en fait ? Ce sceau représente l'équilibre du royaume lorsque Freyr était là. Ombre et lumière complémentent en harmonie. Qu'en dis-tu, Atreus ? C'est bon, je crois. Père ? À ton tour. Malheureusement pour Alfheim, Freyr n'a pas supporté que sa sœur décide d'épouser Oda. Il est retourné à Vanaheim, livrant ce royaume à son sort. À sa décharge, les As lui ont mis le feu, cette fois-là. La porte aurait dû s'ouvrir. Est-elle bien équilibrée ? Oui, mais pas le royaume. Plus maintenant. Père ? Essaie dans l'autre sens. Oui, oui, et tire. Continue à pousser. Beau travail, Atreus. Vous venez ? Statue d'un elfe noir dans le Temple de la Lumière ? Il ressemblait à cela avant la Division. La Division ? Oui. Les elfes n'ont pas toujours été noirs et blancs, tu sais. Cette statue les représente avant la guerre, avant qu'ils découvrent le pouvoir de la lumière. La lumière solide. Certaines choses ne changent pas. Au-dessus de la porte. Cristal lumineux. Viens, toi ! Oui. La pierre transmet brièvement la lumière à ta hache. Ça, c'est pratique. Quel est ce bruit ? Inutile de gâcher la surprise. C'est la lumière.
n'avais jamais vu le lac des âmes si agité. Ah, Fimbulwetter, tu penses ? Bien sûr. Il rend la lumière instable. Alors la source de ce puits de lumière, c'est le lac des âmes ? Oui. Après la création des 9 royaumes, les âmes des défunts ont commencé à se rassembler dans ces eaux. En découvrant son potentiel, les elfes ont bâti ce temple pour canaliser son énergie. Un succès pour le moins fracassant. Beaucoup ont développé une dépendance à ce nouveau pouvoir. C'est ainsi que les elfes blancs virent le jour. Bien joué. Même si je me doute que nos amis elfes blancs ne seront pas de cet avis. En parlant d'elfes blancs... Laissez-moi encore essayer de leur parler. Laisse plutôt ces deux-là s'en charger. Je devrais essayer de les renvoyer. Arrivés par les ponts de lumière, mais ces ponts ont disparu. J'ai une idée pour nous faire passer. Heureusement pour nous, son refus de la violence ne l'empêche pas de s'en prendre à l'architecture. Par ici, la fresque vous attend. Le temple n'est pas comme dans mes souvenirs. La dernière fois, il était en ruine et couvert de cette drôle de substance. Ces elfes utilisent la lumière d'Alfheim pour renforcer le temple. Et eux-mêmes, à l'évidence. Ils semblent clairement plus dangereux que l'autre fois. Et ce n'étaient que des fantassins. Plus nous progresserons, plus ils seront dangereux. Super. Si les elfes utilisent la lumière pour faire des portes et être plus forts, que veulent en faire les elfes noirs ? La renvoyer à sa source. Pour eux, les ressources naturelles d'Alfheim sont sacrées. Et la lumière plus que tout autre. Oui. Le succès des elfes blancs a eu un coup terrible. Après la création de ce temple, le désert jadis luxuriant d'Alfheim est devenu une terre aride parcourue de tempêtes. Je vois de la pierre de nuit là-haut. Elfes blancs. Je m'en occupe. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée.
Hey, oh! Mes amis, salutations, nous venons en paix. Tire! Reviens! Ah! Attention, à gauche! Tu devrais essayer de les renvoyer. Maintenant, je comprends pourquoi ils se battent. Les elfes noirs veulent préserver les âmes dans la lumière, mais les elfes blancs veulent les utiliser. Parfaitement résumé, oui. Mais alors, qui a raison? C'est rarement aussi simple. Et ce n'est pas à nous de trancher. C'est un conflit elfique. Je l'avais dit quand nous étions venus à Alfheim. Je sais. Ils ont construit beaucoup de ces portes de lumière. Des fortifications. Oui. Ils n'ont pas envie de voir les elfes noirs reprendre les commandes. L'angle a l'air bon. Le maintenir en position.
Ça a l'air bon. Excellent. Suivons notre ascension. Attention, au-dessus de toi. C'est l'un des poèmes de Kvasir, très élaboré. Tu devrais essayer de les collecter. Je vais vous laisser faire. Retrouvons-nous de l'autre côté. Oh, t'as vu comment il saute ? C'est pas grave. Encore. Il commence à comprendre. Bien. J'avais jamais vu les elfes blancs qui avaient un temple à ce point. Ils ont dû désigner un nouveau gardien du temple, le remplaçant de Svartaliofur. Roi des elfes noirs. Il doit être dans la lumière.
Question de précision. Pierre de nuit au sol. On va utiliser la pierre de nuit contre eux. Nous pouvons continuer par là. Père, par ici! Ils arrivent. Faites ce que vous avez à faire. Lance ton arme sur l'orbe lumineux! J'ai vu sur les elfes aussi. Oh ! Les cristaux créent toujours des ponts de lumière, et les elfes blancs les portent. Malin ? On y est presque. Je m'en charge. Je demande s'il ne prend pas un coup vandalique. Bientôt vous le verrez s'en prendre à la poterie. Peut-on continuer ? Oh, au moins on se rapproche. Là-haut, vous voyez ? Ça paraît plus grand de l'intérieur. Incroyable qu'il y ait tout ça en dessous. Et ça recommence. Derrière toi, mon frère!
feu lumineux! Attention! Attention à droite! Flanc gauche.
Derrière toi, attention! Tiens pas! Get the fuck!